stop. What's up tout le monde, c'est Edith, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous comparer des images de footballeurs professionnels sur PES 2016 et dans la vraie vie. Vous allez voir que le résultat est juste bluffant et vous allez voir surtout à quel point l'évolution graphique sur ce nouvel opus de Konami s'est améliorée d'une année à l'autre, à tel point qu'on a du mal à différencier le jeu PES de la vie réelle. C'est donc devenu une certitude cette année, Konami a donné son maximum pour revenir dans la course aux côtés de EA et de la série FIFA. Les progrès effectués ont été récompensés avec le titre du meilleur jeu de sport du salon de la Gamescom 2015 à Cologne qui vient de se terminer. Un titre qui a été remporté par la maison de Konami qui, en plus des nouvelles qualités graphiques apportées à son jeu de football, détient la licence officielle exclusive, je dis bien, je tiens à le préciser, de l'Euro 2016 qui se déroulera en France l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces recherches et ces comparatifs graphiques qui auront défilé durant la vidéo à l'écran vous auront fait plaisir. Je vous invite très fortement à lâcher un pouce bleu, je compte sur vous d'ailleurs pour faire grimper le compteur jusqu'au 50, et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour juger mon commentary, la qualité de la vidéo et surtout me donner des idées pour les prochaines vidéos. Les idées les plus intéressantes seront sélectionnées pour de futurs projets sur la chaîne, je compte sur vous à 100%, je sais que vous allez le faire. Et bien évidemment, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et par-dessus tout sur Snapchat où vous êtes informé en avant-première des vidéos et de tout ce qui se passe sur la chaîne, ainsi que sur Twitter, l'inscription prend 30 secondes et il y a vraiment moyen de parler très souvent et de délirer comme il le faut, je compte sur vous. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre l'armée des lamas, on est déjà plus de 3000, c'est juste énorme, et moi je vous dis à la prochaine, ciao les gamers.